Voilà, je voulais vous montrer où vous serez, certains d'entre vous seront. C'est donc on descend sur Lakshmandula et on arrive juste à une salle de yoga sympa. Là, il y a un hébergement qui vaut pesant d'or. Enfin, voilà, donc on va rentrer et vous allez en savoir plus. À tout de suite. Oui, comme toujours, ils font pas que du yoga, hein, ils combinent. Hein. Voilà, ce que je vous dis, c'est ce qu'ils font, c'est qu'il y a le yoga, mais ils réussissent à mettre des cours d'ayurvédique aussi. Et puis, comme le yoga aide déjà à traiter des problèmes particuliers, on combine en plus avec les plantes. Une approche très intéressante. Voilà, donc là, c'est 10h, donc il y a le soleil qui donne son plein. Ça va faire chaud. Là, voilà, c'est le genre d'endroit où vous serez avec... Il y a des coins à l'ombre, évidemment, il y a des... On peut venir faire des... On peut même faire du tai chi, on fait des... Un peu de tout, hein, de le matin, qigong, juste comme ça, mais juste un quart d'heure, juste pour voir. Voilà, à plus, on va rentrer. Ça pique, hein, et vu que j'étais dans la forêt, là, la nuit, là, pour voir ce qu'il y avait, ben, je me suis bien fait regarder la vidéo, la série N, Nature. Hein. Voilà, donc vous pouvez regarder, c'est yoga, regardez en bas, Ayurveda Healings. Hein. Donc, c'est une approche holistique, comme ils disent. Ben, regardez, il a la frite. Hein. Bon, il le fait tous les jours, hein, enfin, j'imagine. Voilà, tout est certifié, pas de soucis, être connu, donc à Paris, après, ou en Suisse, ou même au Québec, évidemment, c'est mondial. A tout de suite, on va rentrer cette fois ou bien? Écoutez, je suis désolé, je vous fais des promesses qui vont arriver plus tard. En fait, ils sont en cours. Là, on est un peu tôt pour le... Ça, je vous conseille, hein, le troisième, là, Pancha Karma. Ils sont donc... On reviendra, hein. Donc, ça, c'est sympa aussi, hein. Des fois, j'ai réussi à lâcher ces boulets, quoi. Bam, quoi. Combiné avec le yoga comme support pour ramener. Nasiam. Bon, je vais me renseigner, hein, comme on dit. Ah, d'accord. Ouais, d'accord. C'est pas Neti, mais Nasiam. Ouais, c'est de l'huile. Moi, j'avais fait de l'huile sur le troisième œil. Ils vous mettent une sorte de capuchon. Là, autour de la tête, sur les yeux, pour traiter le. Mais là, c'est dans le nez. Ben, voilà, on va rentrer la prochaine fois. Hein. Au revoir à toutes.